Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cities Skylines. Dans le dernier épisode, on a travaillé plutôt sur ce secteur-là. Du coup, on a fait une zone plutôt balnéaire dans le coin vers la plage. Et ensuite, là, c'est plutôt une zone résidentielle. Ce qui, au final, a doublé notre population. Alors maintenant, on a quelques problèmes de poubelles, peut-être des eaux usées bientôt qui vont se présenter aussi. Du coup, on va travailler sur une zone plutôt industrielle, je dirais. Donc, dans ce coin-là. Donc on va faire déjà un triage ferroviaire, une zone plutôt industrielle aussi avec un nouveau système de poubelles. Du coup on va utiliser le nouveau système qui est sorti avec la dernière extension. Donc on va faire plusieurs centres de collecte, puis après il y aura un gros incinérateur qui sera dans ce coin là justement. Donc voilà, donc je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour le timelapse. Thank you.
The lights in here are blinding me. I can't see clearly anymore. I have no fear how this will end. No, nothing scares me anymore. Voilà, donc on se retrouve après ce premier timelapse. Donc ça c'est notre zone de fret, hein, justement, comme on en parlait. La voie extérieure, donc côté mer, c'est vraiment pour tout le trafic voyageur. Et ensuite tout ça c'est pour le trafic marchandises. Donc là la voie, c'est la seule voie pour les exportations qu'on a fait. Ce qui est plutôt un succès d'ailleurs, je suis assez étonné. Mais bon, c'est tout ça qui est pas sur nos routes, du coup c'est intéressant. J'ai mis deux terminaux pour le fret. D'ailleurs c'est ça vient d'un mode ça, hein. Je trouve que ça change un petit peu, ça peut être plus zone pour le cargo et tout ça quoi. Alors en fait j'ai séparé le trafic interne et externe. Du coup là ça c'est une boucle pour tout le trafic externe à la ville. Et puis là on a juste notre voie là qui repart à l'intérieur pour le trafic interne. Du coup ça permet quand la marchandise externe arrive à la ville, si c'est nécessaire de reprendre le train, ils vont faire le tour du giratoire. Et ils vont revenir là. Ce qui est plutôt intéressant parce que sinon ça nous fait trop de trains dans la ville. Et c'est que comme on peut voir, j'ai qu'une voie qui part. Alors ça devient gérable quoi sinon. Ensuite j'ai refait toute cette zone hein, qu'on peut le voir aussi. Du coup j'ai refait un nouvel échangeur. Ça aussi c'est tout nouveau là. Là on va faire une zone plutôt d'habitation, peut-être un peu de commercial dans le coin là. Là j'ai mis donc ça vient de la nouvelle extension aussi. Donc c'est le nouveau métro. Donc ça c'est une station de métro en plein air.
D'ailleurs, on n'avait pas du tout hein, tout ça. Donc ça c'est les voies aussi. Donc là j'ai pas utilisé le mode métro overhaul. Et ça c'est la nouvelle station aussi en hauteur. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. C'était nécessaire, c'est dommage qu'il l'avait pas mis avant quoi, donc quand même. Du coup c'est pas mal utile. Ça c'est les rames du jeu aussi, donc Vanilla. Après j'en ai d'autres aussi, on verra peut-être plus tard pour les changer. Ça c'est l'échangeur que j'ai fait. C'était assez simple, mais bon, fallait que je le refasse. Parce qu'il était tout en simple voie, puis non, ça jouait pas, puis il était vraiment grand quoi. Il arrivait genre jusqu'à là l'échangeur, ça allait pas quoi. Sinon j'ai mis aussi ce qui vient du nouveau DLC, donc le complexe de traitement des déchets. Donc c'est vraiment ça. Cette usine envoie ses camions en fait chercher les déchets hein, dans les installations de transfert des déchets. Du coup j'en ai mis un peu partout dans la ville. Par contre, j'étais un peu déçu parce que j'ai dû en mettre deux déjà alors que j'ai que 24 000 habitants. Du coup, j'en ai une là et une là. Après, le trafic, ça reste raisonnable, hein. Mais c'est vrai que j'étais un peu étonné quoi quand même. Sinon, là, j'ai mis un nouveau port aussi. Donc là, vraiment, on a les bateaux de haute mer, hein, ce qu'on n'avait pas avant. Donc le jeu reconnaît que de l'autre côté, c'est la rivière parce que vraiment, j'ai mis les mêmes ports. Puis on voit que des petits bateaux. Maintenant on va se retrouver pour un deuxième time-lapse. Du coup on va faire cette zone là, donc plutôt habitation avec un peu de commerce là, puis sûrement un EMS au bord de l'eau par là. Alors à tout de suite. Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always been bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. I wanna show to the world that you're the bad. I'm fine without you.
Voilà, donc on se retrouve après ce deuxième timelapse. Donc on peut voir la population a bien augmenté, on a à peu près la moitié en plus. Tout ce qu'on voit là comme quartier, c'est nouveau. Du coup là on a mis un petit EMS, un petit jardin botanique, on a fait une ligne de trolleybus qui passe dans le coin, qui fait une boucle et qui retourne après dans l'autre côté de la ville. Elle fait juste un tour dans le quartier résidentiel. Du coup là on a une petite zone commerciale avec un marché aux poissons et le métro. Le métro qui est pas mal, c'est un bon succès je pense. Et c'est vrai que pour aller de là jusqu'au milieu de la ville, c'est assez rapide quoi. C'est vrai que là il fait un arrêt là, et après il va direct vers la gare, puis après il finit à l'aquarium. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est assez rapide. C'est vrai qu'on a pas mal de trafic hein, par contre maintenant dans le coin. Mais ouais, c'est assez régulier. J'ai dû faire avec avec Traffic President Manager, là j'ai fait les giratoires. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est plutôt efficient. Après peut-être là j'aurais pas dû faire comme ça avec un pont au milieu. J'aurais peut-être dû faire avec un sens dans un et un sens dans l'autre. Après avoir quoi. Donc voilà, je vais vous laisser la vue ici. Comme ça on peut voir les métros et un peu la circulation. Et je vous remercie, on se dit à bientôt pour le prochain épisode.